première rencontre d'échange des directions départementales de l'industrie et du commerce au titre de l'année 2022 se tient à l'hôtel Les Résidences de la plage de Grand Popo du 23 au 26 août 2022 autour du thème « Produit des données pour mieux révéler le ministère de l'industrie et du commerce qu'elle apporte des directions départementales ». Heureux d'accueillir l'événement sur sa compétence administrative, le préfet du Mono à l'ouverture des travaux déclare. Votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous accordez à la rencontre d'échange, dont le thème central est intitulé « Produire les données pour mieux révéler le ministère de l'Industrie et du Commerce, qu'elle apporte des directions départementales de l'Industrie et du Commerce ». Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a depuis quelques années intégré l'apport de gestion axé sur les résultats au cœur de la mise en œuvre des politiques et programmes et donc du fonctionnement de notre administration publique. L'exercice pour lequel vous êtes convié ce matin dans notre juridiction administrative est d'autant plus important en ce sens que les fruits de vos réflexions permettront sans aucun doute à votre département ministériel de mieux révéler notre pays à travers ses performances et surtout à travers la gestion résiliente de la crise actuelle. Au regard de tout ce qui précède, je voudrais vous inviter à suivre avec attention les différentes communications qui seront présentées, à participation de façon active à travers le partage de vos points de vue, de vos expériences, afin que des discussions jaillissent la lumière et des résultats profitables au bonheur de nous tous, au bonheur du pays, le Bénin. Je voudrais donc souhaiter beaucoup de courage à chacun et à tous. Un bon séjour ici à Grand Popo, c'est donc sur ces vœux de souhait que je déclare ouverte la première rencontre d'échange des DDIP au titre de l'année 2022. Pour le directeur régional Mono Koufo de l'industrie et du commerce, ces échanges apporteront une plus-value pour mieux révéler le ministère. Cette rencontre permettra aussi aux participants de prendre connaissance et de valider le nouveau dispositif informatisé de suivi des prix des produits de grande consommation. Le communicateur explique le relevé des prix et rassure. Le relevé des prix est une activité que le ministère mène depuis de très longues années, qui consiste à aller sur un certain nombre de marchés pour relever, c'est-à-dire prendre l'information concernant les prix des produits vendus. Et ces informations sont prises sur un certain nombre de marchés et concernant un certain nombre de produits dont la liste est définie en fonction de l'importance de ces produits dans la consommation des populations. C'est-à-dire lorsque le ministère fait une étude et sait que le consommateur s'intéresse à tel produit, donc ces produits sont relevés, les prix de ces produits sont relevés pour être analysés, publiés et servir à des prises de décision. Et servir aussi, lorsque les prix sont publiés, à permettre aux opérateurs économiques et aux consommateurs d'avoir l'information, d'exploiter l'information. Exemple, un consommateur qui sait qu'à côté de lui, il y a un produit qui coûte moins cher, il ira chercher. Un commerçant qui sait que dans une zone, il y a un produit qui coûte moins cher, il ira chercher pour en faire un produit qu'il va vendre pour gagner de l'argent dans une autre zone. Voilà essentiellement le rôle des relevés de prix qui permet d'avoir un œil régulateur sur les marchés à l'intérieur du pays.